Donc, la première fois que j'ai entendu parler de Red Dog, c'est lorsque je suis revenue du Canada. J'ai habité pendant 3 ans au Canada et je suis revenue avec un petit border collie. Et il y a eu lieu le tremblement de terre en Arménie. Et j'ai été très touchée par le travail qui avait été fait par le corps suisse d'aide en cas de catastrophe avec une vingtaine de chiens où ils ont pu sauver des personnes. Et là, je me suis posé la question, mais peut-être que je pourrais venir et travailler avec mon petit chien qui s'appelait Paddy et bien le former comme chien de catastrophe. Et c'est par la suite, j'ai pris contact avec Red Dog Vaux et je suis rentrée chez eux, où j'ai formé mon chien. Alors, lorsque je suis arrivée, il y avait déjà 2 femmes qui étaient engagées chez Red Dog avec leur chien dans les recherches en décombres et justement la personne qui était partie en Arménie. Et ça m'a énormément touchée de voir leur travail, comme elles étaient avec leur chien. Et je pense que la personne qui m'a le plus touchée, c'était Linda. Elle était venue faire un concours chez nous. Elle est arrivée sans rien dire. Et quand je l'ai vue travailler avec son border collie, où elle l'a laissé partir de gauche à droite sans presque rien faire, et son chien a trouvé la personne en à peu près 5 minutes, j'ai été vraiment impressionnée et je me suis dit, ah, j'aimerais beaucoup arriver à ce niveau-là avec mon chien. Et c'est vraiment une personne qui m'a tiré en avant pour me dire j'aimerais arriver à ce niveau-là. Voilà, puis bon, donc par la suite, donc j'ai continué à entraîner mon chien, il a réussi tous les examens, j'ai eu la chance d'avoir vraiment un chien très facile. Et donc il a réussi ses examens, il a été engagé et à l'âge de 3 ans. Et puis ensuite, je suis partie avec lui lors du tremblement de terre en 91 en Turquie. Et là, pour moi, c'était très bouleversant. C'était des conditions qui étaient très difficiles parce qu'il faisait très froid. La nuit, ça avoisinait à peu près les moins 25. On dormait dans des tentes, il faisait froid. C'était difficile de dormir, de chercher de la journée dans des conditions où les gens ne savaient pas ce qu'on venait faire avec des chiens sur les décombres. Ils se demandaient si on avait pris les chiens pour se protéger. Et là, on était surpris de voir des enfants qui venaient pour donner à manger des petits bouts de galettes à nos chiens. Et c'est vrai que c'était pour moi, je me disais, mais oh, il ne faut pas leur donner des petits bouts de pain parce qu'ils risquent d'être malades. Alors je leur ai proposé une balle. Et ils ont commencé à jouer avec mon chien. Et pour moi, c'était un révélateur en me disant, mais tiens, dans ma vie, je suis thérapeute avec le cheval. Peut-être qu'on pourrait imaginer aussi quelque chose avec le chien. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qui était très touchant, de par ce que j'ai vécu en Turquie, que j'ai monté en fait la fondation Perkanem, où on utilise le chien comme médiateur thérapeutique pour des enfants en difficulté. Donc, comme j'expliquais, c'est lors du tremblement de terre en Turquie, où j'étais avec mon chien, j'ai vu le travail du chef d'équipe. J'ai été très intéressée par le fait qu'il avait une bienveillance par rapport au conducteur de chien dont il avait la charge. Et ça m'a beaucoup interrogée de me dire, est-ce que ça tient, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser par la suite? Et Linda m'a approchée pour me demander, est-ce que toi, tu voudrais pas aussi te former comme chef d'équipe? Et nous avons été les 2 premières femmes chez Red Dog à avoir la formation de chef d'équipe. Donc par la suite, je suis partie 3 fois en engagement en tant que chef d'équipe à Taïwan, en Turquie et en Inde. Et je dirais la plus grande difficulté, ce n'était pas le fait que je sois une femme, mais c'était plutôt la langue. Le fait de ne pas parler l'allemand, c'était difficile. Ça demandait au chef d'engagement, en fait, de bien réfléchir la composition des équipes, de me mettre avec des personnes qui parlaient le français et l'anglais. Une fois donc que l'équipe était formée, j'ai jamais senti de différence parce que j'étais une femme. Parce que souvent aussi dans l'équipe, il y a énormément de femmes, donc il y avait autant d'hommes que de femmes, et moi j'ai jamais senti une différence par rapport à ça. Si je devais parler d'un des moments les plus forts de chez Red Dog, c'était lors d'une intervention à Taïwan, où j'intervenais comme chef d'équipe avec 3 conducteurs de chiens, et où à un moment donné, un chien a senti quelque chose dans une cave, et c'était une odeur qui était très diffuse, et ils avaient du mal à se stabiliser. Et on a demandé l'aide d'un militaire de porter le chien contre la hauteur pour voir s'il prenait une odeur. Parce qu'à Taïwan, la particularité, c'est qu'on a les bâtiments qui se sont écrasés comme ça. Et on devait intervenir souvent depuis dessous parce que toute la structure au-dessus, en fait, était toujours debout. Et là, on a eu des chiens qui ont senti des odeurs. On a porté ce petit chien, puis il y avait une fissure dans le plafond et le chien l'a senti. Et on a demandé de creuser aux militaires.
Et une fois qu'ils ont creusé, ils ont découvert le papa, la maman et la petite fille qui étaient mortes. C'est vrai que c'était très difficile de savoir ça. Et plus loin, le chien a continué d'aboyer, de montrer quelque chose et nous avons découvert un enfant de 6 ans qui était vivant. Et c'était un moment qui était très, très beau. Et c'est là qu'on se dit que toutes ces années, tous ces moments où on travaille avec le chien, ben, on voit que ça porte ses fruits et ça, on a pu sauver une vie. Et ça vaut toutes les heures qu'on passe, tous les samedis, dans les décombres, à faire nos exercices. Et que c'est... Ouais, c'était... Enfin, c'est... J'en suis encore émue. Donc en 2009, Red Dog m'a contactée pour me demander si je voulais participer à un projet qui était de former une équipe cynophile des pompiers de Casablanca au Maroc pour qu'ils puissent en fait se présenter à la certification de l'INSARAC. Donc c'était quand même un projet qui se faisait sur plusieurs années. Il fallait vraiment commencer depuis le début. Quand on est arrivé, ils n'avaient pas de décombres, donc il a fallu créer des décombres, il a fallu aller chercher des chiens. Et puis, une chose qui était assez rigolote quand je suis arrivée la première fois, c'est qu'ils ont pensé que j'étais un homme, parce que je m'appelle Laurence, et eux, ils ont pensé Laurence d'Arabie. Alors, quand je suis arrivée et que je me suis présentée, ils ont dit « Mais c'est pas vous, Laurence ?» Et j'ai dit « Oui, c'est moi, mais on attendait un homme. » Et je dis, ben non, c'est une femme. Et c'est vrai que là, il a fallu, en fait, les apprivoiser. Et puis, ça a pris du temps. Mais par la suite, ça a donné vraiment de très, très bons résultats. Où c'est vrai que c'était des personnes qui étaient très, assez rigides au début avec leurs chiens. Et puis, il a fallu un petit peu regarder qu'ils obéissent pas simplement aux ordres, mais qu'ils soient à l'écoute de tout leur environnement, à l'écoute de leurs chiens, qu'ils puissent être capables de prendre aussi des décisions sans attendre que ce soit leur chef qui leur propose, mais qu'ils aient des initiatives. Et c'était un joli travail. On a utilisé énormément la vidéo, où ils pouvaient se voir, on pouvait revoir ensemble qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qui serait pas bien. Et c'était une merveilleuse aventure humaine qui s'est d'ailleurs terminée par la réussite de leur certification qui s'est faite à Genève. C'était une magnifique aventure. En tout cas, pour moi, j'ai été très heureuse d'avoir pu participer à ce projet. Et très fière du travail des Marocains et de la Suisse sur ce travail de collaboration entre la DDC, Red Dog et les pompiers de Casablanca. Une des richesses chez Red Dog, c'est vraiment le travail d'équipe. Ça veut dire que ce n'est pas un travail isolé. Quand quelqu'un vient chez Red Dog, il ne va pas se dire « je vais travailler tout seul dans mon coin avec mon chien ». On a vraiment besoin des uns, des autres. Et c'est vraiment cette notion de travailler ensemble qui est importante. Et quand on part en intervention, c'est jamais quelqu'un qui va dire « moi j'ai réussi à faire ci ou à faire ça ou à sauver des vies ». C'est tout le travail d'une équipe qui est derrière. C'est l'équipe qui est porteuse de ce travail. Et ça me plaît beaucoup. Le fait aussi de pouvoir utiliser notre ami à quatre pattes, le chien, qu'il le fasse avec plaisir, parce que nous, on a énormément de plaisir lors des entraînements, mais le chien, c'est vraiment une partie de cache-cache pour lui. Et on est là vraiment à observer qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'on va réussir à faire par rapport à ses peurs, par rapport à sa motivation, qu'il garde de l'énergie et qu'il ait toujours du plaisir dans la recherche. Ce qui m'a passionnée chez Red Dog, c'est d'imaginer un tas de décombres, des gens qui sont dessous, et de voir que le chien, grâce à son flair, en fait, il pouvait les trouver. Et ça paraît tellement incroyable de se dire qu'on puisse sauver des vies grâce à un chien. Et cette complicité qu'on instaure entre l'homme, le chien, c'est pour moi quelque chose qui sont incroyables et qui m'ont motivée durant plus de 30 ans. Et encore maintenant, je suis émerveillée à chaque entraînement, quand on cache quelqu'un puis qu'on se dit « mais si on devait chercher nous-mêmes, jamais on trouverait la personne qui est enfouie sous les décombres. » Et le chien, avec un petit coup de nez, hop, il le trouve et il a un plaisir fou et nous montre avec précision où elle se trouve, la victime. C'est incroyable.